Grand départ. Steven Wood, salut. L'équipe ODP arrive en renfort. Ok. De toute façon, on cale haut là. Faut aller sur ouais, voilà. Ça, je pense que c'est à bon, là, je vais passer un coup pour. Ah, coup, pour... Il y en a derrière et tout. Tu peux balayer, virer ça. C'est quoi tes vis? C'est ça on peut mettre un peu de côté. C'est pour savoir. Alors, en périphérie de la plaque d'OSB, c'est tous les 15 cm. Ok. Il rigole. C'est le DTU. Et en... au milieu, c'est 30. Ton panneau d'OSB, oui. Trouve qu'on trouve les vis, tu les mets tous les 15 cm. Et quand tu as un montant au milieu, et bien c'est 30. Et pour le repérer, on va faire d'abord des trades. Moi je vais balayer toute la surface là. Et puis on va se tracer au sol. Au sol, à chaque fois qu'on a un montant. Okay. On se fait un repère visuel. Mmh. Et voilà. Allez, c'est parti. Ah d'accord, moi j'ai le bidon là. Tu auras jamais une glace. Ouais, c'est ça, ok. C'est pas grave. Tu vas manger moins. Tu veux pas prendre une perceuse plutôt que me fumer. Non, mais. C'est pas à 2 cm près là, hein. Les 15, oui, non, c'est parce que j'avais plus la notion de 15. Tous les 15 cm, c'est le DTU, comme il dit. On est en liste de Moïse. Hein ? Un commentaire pour cette première vis ? La première, c'est toujours. Dis donc, je suis pressé qu'on ait fini quand même. Je m'étonne. Là, on est dans du pass-load, du QR, et ça envoie. Là, on est en train de finir le garage qui pourra accueillir la Lamborghini de Steve. Normalement, il y a la place pour mettre la Fifi. Il est en train de boire le champagne, je crois. Je sais pas où. T'as quoi comme visseuse là? Une petite boche? Visseuse à choc. Idéal pour le vissage en série. Et puis elle sera plus simple que la douane. Pour visser en hauteur. Ah.
Impec. Vrai métier. Je félicite surtout les potes, c'est eux qui forcent plus ça. Moi je sécurise mais je porte rien. Voilà. Donc, voilà. Il faut savoir sous-traiter. Je félicite mon gastro-entérologue qui m'a donné des bons cachets parce que... Pop. Par rapport au prix du machin. Après s'il y avait... Allez go! Donc ici on est dans le garage, c'est ça? Exactement. Donc là on a tout renfermé, c'est bien fermé. Petite pause de plaque en OBS. C'est ça hein? OSB. En OSB. OBS c'est le logiciel. OSB. OSB. OSB, c'est mieux. Sur internet. C'est pas mal. Ça avance de fou. Là il ne reste plus que deux fermettes. Tu peux pas savoir le sentiment que ça fait parce que il y a l'aspect physique, c'est lourd, logistique. Et moi, c'est mon chantier. Je reçois des gens, mais surtout pas qu'ils se blessent. Donc je veux dire ça y est, on arrive à la fin. C'est compliqué à gérer. C'est soulageant. C'est rassurant. Fin de la première journée. On a bien avancé. Steve est plutôt content. On a posé tous les OSB. Enfin, il en reste un petit peu. Mais on revient demain pour ça. Petit room tour de l'avancement du chantier. Rendez-vous demain pour la suite du chantier. Ciao. L'équipe ODP, votre ressenti de cette première journée? Journée très fatigante. Fatiguée. Fatigante. L'équipe est finie. J'ai jamais passé autant.
Ouais, je pense. Et moi non plus. Hein. Donc là, on s'est réveillé, on va aller descendre, prendre le petit déjeuner. Petit tour dehors pour prendre la température. Effectivement, il fait pas très chaud. Hein. On n'est pas loin du 0 degré. Il va faire très froid sur le chantier, on va mettre la petite veste. Oh, ouais, l'équipe ODP de bon matin. Comment ça va? Bien dormi, monsieur Tony? Très bien dormi. Et c'est parti, à tout à l'heure. Aller à la salle depuis 3 jours, ça me fait du bien. Et du cool. Je crois faire des fous. Il y a de la salle. Je pense que tu t'es quand même pas du tout. Petit mais fort. Salut un peu. Salut un peu. Attention. Mais ça, il y a juste ça à faire, mais c'est lourd, stressant. Deux, trois coups de basse. Ouais. Et puis... Combien d'années d'entraînement? Oh, bah, on est sur une bonne vingtaine d'années. On m'appelle la masse dans différents domaines. L'idée, c'est de maintenir la poutre pour que ça fasse contrebalance.
Plein d'amour. Salut. Merci. Salut, à plus. Salut.